Hello les petits amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et surtout de bonne humeur en ce début de week-end. Alors oui, avec le jour férié d'hier, certains sont déjà en long week-end, mais pas tous. Donc voilà, pour courage en tout cas pour ceux qui doivent bosser. Alors pour ce nouvel unboxing, puisque oui, il y a encore un unboxing aujourd'hui, et je vous le dis tout de suite, voilà, j'attends encore quelques colis par la suite, donc voilà, vous aurez droit encore à quelques unboxings durant un petit moment. Promis, hein, pour les autres, les revues viendront bien évidemment après. En tout cas, pour ceux qui apprécient les déballages de colis, je pense qu'ils devraient être assez contents. Donc petit déballage de colis aujourd'hui, que je n'attendais absolument pas, puisque voilà, il s'agit d'un colis donc qui m'a été offert par ma compagne, avec la complicité de mon ami Sébastien, aka Sébounet, que je remercie infiniment au passage. Alors oui, je ne sais absolument pas ce qu'il contient, c'est la surprise totale. Sachant que ma chaîne vient de fêter ses 5 ans il y a quelques jours, est-ce le hasard ou pas? Donc, bah écoutez, on va s'attaquer tout de suite donc à la découverte de ce petit colis, et je vais pour le coup donc découvrir tout ça en même temps que vous, puisque voilà, c'est surprise garantie. Allez, sans plus tarder, c'est parti! À tout de suite les petits amis! Ah ouais? Ah c'est comme ça? Parce qu'en plus, on t'offre des cadeaux? Non, je déconne! Bon anniversaire, papy TF! Félicitations pour les 50 de ta chaîne! Oh ouais, bon moi je suis tout nouveau, hein, mais ça fait quand même super plaisir. Bon bah, je vais vous laisser avec Mini Moi, nous, on va aller regarder ce petit déballage de colis. Et puis on vous dit à tout à l'heure. Allez, tchons les mecs. Et voici donc, avant de commencer, donc un aperçu de ce colis plutôt mastoc et très conséquent. Donc je ne sais pas encore comment je vais m'y prendre pour le déballage. Je pense que je vais faire ça hors bureau, parce que voilà, il est quand même assez balèze, et je crains d'être un petit peu ennuyé. Donc je vais faire devant vous le déballage, et puis nous allons découvrir donc au fur et à mesure ce qu'il contient. Au préalable, je me munis comme toujours de mon la-gueule. Et c'est parti. Alors, on va ouvrir ça. Et c'est diablement bien scotché. Voilà, j'espère que mon la-gueule sera assez tranchant pour ouvrir ce machin absolument énorme. Alors je ne sais pas trop de quel côté ouvrir. Hop, on va essayer comme ça. Ouais, ça m'a l'air d'être bon. Par contre, j'ai l'impression qu'il est à l'envers. Hop. Alors, ah, comme d'habitude, mon petit Sébounet a bien fait les choses, puisque voilà, tout est très bien protégé, une fois encore. Alors à ce niveau-là, c'est vrai que voilà, je suis toujours bien gâté en termes de protection. Alors je vois qu'il y a du papier journal, du scotch, donc voilà, ça s'annonce comique. Je vais encore une fois de plus donc m'amuser avec tout ceci. Donc nous allons commencer tout d'abord par celui-ci. Et donc je retourne sur mon bureau et je vous montrerai donc progressivement le contenu de tout de ce petit carton. Voilà, donc je vais essayer d'aller au plus vite possible avec mon couteau, parce que voilà, vous êtes une bande de salopios les mecs. Hein, vous adorez me mettre ça dans des couches et surcouches de papier journal avec du gros scotch bien costaud, bien solide. Et donc moi qui veux essayer de faire des unboxings à chaque fois pas trop long, je me retrouve finalement à passer autant de temps à déballer qu'à vous montrer le contenu. Alors nous avons tout d'abord, oh très joli, ah très joli, un petit goodies. Alors ça va aller, bien entendu, hein, pour ceux qui ont regardé ma revue spéciale goodies, ça va aller avec mes autres petits Prodders et gadgets Transformers. Alors donc la tête de notre Optimus Prime version animated, et je ne sais pas trop ce qu'il fait. Alors ça a l'air de s'ouvrir à l'arrière. Ah, je sais pas trop.
Je ne connais pas, alors je vais voir si c'est un incidence le fait d'ouvrir, de fermer. Non, pas du tout. Non, apparemment, il est possible de faire quelque chose, mais quoi? Mais quoi, Koukès? Non, je ne sais pas, je ne vois pas du tout. Donc, ben, mon poteau Sébounet, j'espère que tu m'en diras un petit peu plus, à moins que je le découvre donc en regardant tout ça à tête reposée. Pour l'instant, je n'ai aucune idée de quoi il s'agit, mais c'est quand même super bien fait, j'aime beaucoup. Alors, même topo, second paquet. Alors, je remercie au passage hein, les quelques abonnés qui ont pris le temps de me laisser un petit, voilà, qui ont pris le temps de me laisser des petits messages suite au post que j'ai fait sur ma communauté. Ça fait vachement plaisir, ça me fait chaud au cœur de pouvoir partager donc voilà cet anniversaire avec vous. Puis je remercie également donc tous les poteaux qui me l'ont souhaité, que ce soit par téléphone, par message privé ou directement donc sur ma page perso et ma page pro Facebook. Alors qu'avons-nous là? Alors, ah, il s'agit donc voilà du Mégatron. Ah, oh, magnifique, magnifique, du Mégatron Animated dans sa version cybertronienne. Waouh, c'est waouh, c'est balèze, hein. C'est plutôt balèze, un sacré morceau. Il est vraiment, vraiment, vraiment top. J'aime beaucoup avec ses ajouts de plastique translucide du plus bel effet. Voilà, c'est vraiment superbe. Et son canon à fusion qui est waouh, qui est hyper imposant et qui fait son poids aussi. Alors c'est bizarre parce que ça me dit quelque chose. J'ai l'impression que j'avais vu ce TF-là en vente justement sur la page de mon pote Seb. Oui, ça me laisse un peu perplexe parce qu'il me semblait bien que j'étais intéressé par lui acheter. Et qu'il m'avait dit donc que malheureusement il était déjà vendu. Si je dis pas de conneries, c'est bien ça. Donc en tout cas, voilà pour le deuxième petit pépère. En voici à présent un qui m'a l'air encore plus balèze. Oh yeah! Ouh! Ouh, c'est beau chat! Ouh, que c'est beau! Alors là, nous avons. Hop! Là, nous avons donc le Leader Class Animated Megatron. Oh la vache! Il fait son poids en main, hein. On est vraiment dans la digne lignée. Alors je vais réduire un petit peu du coup. Hop là. On est vraiment dans la digne lignée des jouets Animated. Extrêmement, extrêmement robuste. Là encore avec son canon à fusion. Alors je ne sais pas s'il y a les missiles. Pour l'un comme pour l'autre. Je vais voir ça donc dans le reste du déballage. Mais ouais, ah, il a de la gueule, hein. Ah, il est magnifique. Alors celui-là, c'est pareil, hein. J'étais intéressé pour lui acheter sur sa page de vente. Et là encore, il m'avait dit qu'il avait été vendu, celui-ci également. Donc oui, je commence à comprendre un petit peu le truc et je commence à deviner un petit peu qui lui a acheté. Ma compagne apparemment est passée par là. Ah, vous êtes deux sacrés filous tous les deux. Ah, il est beau, hein. Ah ouais, yeah! La classe! Ah! Ah, c'est cool parce que du coup, là, ma collection Animated commence à gagner en superbe ETF. Ah, c'est juste magnifique. Admirez-moi un peu, là, ces deux versions de Megatron. Absolument badass. Et nous allons terminer donc avec celui-ci qui est extrêmement bien emballé. Alors pour qu'il soit emballé comme ça, à mon avis, ça doit être du beau, voire du très beau. Alors là, sacrée surprise, hein, parce que c'est vrai que j'étais, quand je lui ai demandé tout de suite s'ils étaient dispo,
Et qu'il m'a répondu, ben non, quelqu'un les a achetés. J'étais vraiment, vraiment dépité parce que ça faisait un moment que je les voulais dans ma collection et que je n'arrive jamais à les trouver soit fonctionnels, donc que ce soit son et lumière, ou soit complet. Et là, ah, voilà, là, là. Hop là, désolé pour le choc. Ah ben alors là, c'est voilà, c'est une pièce maîtresse aussi pour ma collection. Bon, c'est un petit peu enfoui, mais vous pouvez le constater, il y a la boîte. Ah, c'est la version Takara Wingblade Optimus Prime, une version donc exclusive, comme je vous l'ai dit et comme c'est indiqué sur la boîte, à Takara. Voilà, où nous retrouvons donc la version Hasbro Voyager, mais cette fois-ci donc avec voilà, avec l'ajout des ailes. D'un double marteau aussi, à ce que je vois, de lance-missile. Alors toujours le gimmick du Battle Mask. Ah, on retrouve également, apparemment, il y a toujours son... Ou alors c'est compatible avec les accessoires du Hasbro. Et puis là, donc, nous avons d'autres personnages. Voilà, j'aimerais bien aussi pouvoir me procurer. Alors, je ne sais plus comme ça de tête. Bon, il y en a un paquet que je voudrais encore avoir. Notamment... en leader class et en voyager. Ah, c'est du tout beau. Alors je vais pas le sortir, je vais le laisser dans sa boîte, mais voilà, ça vous donne une idée un petit peu de voilà, de la bébête. Alors identique au voyager, hein, de toute beauté, voilà, avec pour le coup donc cette fois-ci des plastiques translucides comme je les aime. Ah, c'est voilà, c'est vraiment une superbe pièce. Et en plus la boîte est vraiment super propre, nickel, en parfait état. Voilà, je ne pouvais pas foire. Alors bah là c'est pareil, en fait c'est le c'est tout simplement donc le troisième Transformers que je voulais lui acheter. Et ma compagne du coup m'a précédé. On voit qu'elle connaît bien mes goûts. Ah, ça fait super plaisir parce que là du coup je me retrouve voilà, je me retrouve avec trois figurines que je ne m'attendais pas à avoir et que je souhaitais avoir, et du coup j'étais dépité de ne pas pouvoir avoir pu les lui commander. Et puis bah voilà, je me rends compte qu'au final, ils sont bien là et pour moi. Et puis donc, ah bah j'ai une petite enveloppe là, sabre du leader Megatron plus notice des Megatron. Ah, ah ça c'est cool. Alors on va regarder ça tout de suite. Vraiment, allez, regardez-moi si c'est pas soigneux ça comme. Voilà, rien ne se perd. Ah oui, donc là ce sont les, ouais, ce sont les deux sabres du leader class, hein, qui forment les hélices. En mode alternatif. Alors nous avons aussi donc les notices. Ah, vraiment cool. Et puis je regarderai aussi de mon côté, je regarderai un peu plus soigneusement. Je tape vite fait dans le carton, voir s'il n'y aurait pas des missiles quelque part. Bon, au pire s'ils n'y sont pas, c'est pas bien grave. L'essentiel est que les robots soient voilà, soient en parfait état. Alors un petit mot de mon copain Sébounet, Sylvain mon grand loup, avec la complicité de ta chère Crochy, ben voilà, vous voyez, bingo, j'avais gagné. Voici quelques trésors qui j'espère te feront plaisir. Ah ça mon petit père, je ne te le fais pas dire, je suis hyper heureux. Prenez bien soin de vous deux, ton poteau Seb. Merci mon petit père, là ça me touche énormément. Que dire, là vraiment, voilà, pour le coup, là, cette surprise a vraiment été très bien préparée, très bien manigancée. Je ne m'attendais pas à ces petites merveilles, c'est du bonheur. Ah, c'est super cool, voilà, je suis heureux, quoi, voilà, je suis heureux de pouvoir compter des nouvelles pièces dans ma collection Animated. Ah, celui-ci, j'en bavais aussi à l'époque quand j'avais vu les photos, la version Takara. Alors du coup, ben, je vais avoir et la version Hasbro et la version Takara. On va voir un petit peu ce qu'on peut faire avec tout ça. Mais voilà, quoi, c'est ouais, le moule était déjà de toute façon une petite tuerie. Je comprends pourquoi Takara l'a réutilisé à sa sauce. En plus, là, en plastique entièrement transparent, c'est magnifique. Donc avec les boîtes, voilà, les notices pour les deux Megatron. C'est voilà, c'est juste du gros bonheur. Et pour conclure, donc petit récapitulatif de ce colis surprise pour fêter du coup dignement les 5 ans de ma chaîne. Voilà, superbe cadeau. Donc nous avons dans
la gamme Transformers Animated, notre Megatron Leader Class, le Voyager de type Cybertronien et le magnifique Voyager Class Wingblade Optimus Prime, le TA-38 de chez Takara. Absolument sensationnel. Et n'oublions pas donc la petite tête animatide, pardon. Et du coup, donc j'ai compris, je viens de comprendre de quoi il s'agissait. En fait, il s'agissait d'un petit distributeur de bonbons, si je ne me trompe pas. Donc on mettait les petits bonbons en forme de billes sans doute à l'intérieur. Et puis ensuite, donc vous appuyez sur le haut de sa crête de casque. Et puis donc vous avez la bouche, voilà, qui s'ouvre de façon à laisser sortir les bonbons. Si c'est pas beau ça? Chez moi, un petit Optimus Prime, ça c'est content. Donc que dire, un immense merci donc à mon poteau Seb et à ma compagne. Voilà, vous m'avez fait là une magnifique surprise. Je ne m'y attendais vraiment pas. Je pensais que voilà, c'était fichu pour moi, et puis finalement les voilà miens. Ça me fait méga plaisir, voilà, merci pour cette surprise, vraiment, voilà, absolument sensationnelle. Ma gamme Animated continue un peu plus de s'étoffer, donc ce sera l'occasion pour moi de vous faire bien évidemment des revues à leur sujet. Comme toujours, donc, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, pour me dire un petit peu, bah voilà, ce que vous avez pensé de cet unboxing, si le contenu vous a plu, vous intéresse, s'il y a éventuellement un robot parmi ces trois-là que vous souhaiteriez voir en revue, en vidéo, en tout cas en premier. Et puis donc comme d'habitude, bah merci d'avance pour vos petits pouces bleus qui font toujours extrêmement plaisir. Bienvenue également donc aux nouveaux abonnés venus rejoindre ma petite communauté et famille de fans de Transformers, de Gobots, mais aussi donc de robots Super Sentai, Megazord, Godaiking, Diaclone, enfin bref, tout type de robots ou jouets transformables des années 70-80 à nos jours. Pour les autres, je vous embrasse très très fort. Merci comme toujours donc pour votre soutien et merci encore pour vos petits mots, voilà, vos petits vœux pour les 5 ans de ma chaîne qui m'ont énormément touché. Voilà, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un excellent week-end. Amusez-vous bien, reposez-vous bien et quoi qu'il en soit, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous les petits amis. Bye bye, tchuss. Eh ben dis donc, papy. On s'est pas foutu de toi. Waouh, ça c'est du cadeau. De quoi vraiment fêter dignement ces 5 ans. Quand je pense que moi j'ai rien. Oh, ben, moi non plus j'ai rien. Je peux vous filer un poil de cul de mini moi si vous voulez. Eh oh toi là. Eh non mais, je te permets pas. Laisse mes poils tranquilles. Ça suffit les mecs, arrêtez de vous ridiculiser. Sinon, vous voyez les deux costauds là. Eh ben... ils vont s'occuper de vous. Ouais, bah non, moi je préfère me taire, hein, parce que j'ai encore de mauvais souvenirs de ces dernières semaines. Hein. Et c'est pas pour dire, mais j'ai toujours mal au popo. Alors non, je me fais tout petit, tout petit. Je fais demi-tour, je me retourne, et je rentre à la maison. Allez, on se manque. I would have waited an eternity for this. It's over, Prime.